Je suis né à New York, mais j'ai des origines ivoiriennes-italiennes. C'est pour cela que je parle italien et aussi un peu français. Et je me débrouille pas mal en français. Et voilà quoi. Donc je suis né à New York et j'ai grandi à New York. Et je suis venu en Europe pour poursuivre ma carrière de foot. Alors, Devin, l'intégration ici à la Louvière Centre. Ça se passe super bien. On m'a vraiment très très bien accueilli, le groupe. Je m'entends super bien avec le groupe. Il y a une très très bonne ambiance. Et je crois que c'est pour cela qu'on va faire une très bonne saison. Et aussi le staff est très très, comment on dit ça, supportif. Me supporte vraiment bien. Et je connaissais déjà Alain Bâtard qui travaille au club. Donc l'intégration s'est passée très bien. J'ai fait ma formation FC Metz, j'ai resté 3 ans là-bas et c'était une très bonne expérience. Et puis après cela, je suis parti à Livorne pendant une année où j'ai eu un goût un peu au football italien. Et après ça, je suis parti 1 an en Écosse et 1 an en Angleterre où j'ai voyagé un peu, où mon entraîneur en Angleterre, c'était Roy Keane, un grand milieu de terrain de Manchester. Et puis je me suis retrouvé en Belgique pour avoir un peu de goût à l'équipe première, avoir un peu d'expérience et voilà mon parcours. Qu'est-ce que vous avez appris finalement à Ipswich? Ben, j'ai surtout appris le football physique parce que là-bas c'est très très dur dans les duels et un peu cet esprit de guerrier quand on monte sur le terrain, que c'est jamais fini jusqu'à la dernière seconde. Donc ça m'a vraiment beaucoup apporté. Très bien avec l'équipe, j'ai fait quelques accélérations, j'ai montré ce que je savais faire pour les 20-25 minutes que j'ai joué et j'ai hâte d'avoir plus ce temps de jeu. Alors, vous portez le numéro 13, vous n'êtes pas superstitieux? Bon, déjà, j'ai déjà la foisse, donc je crois pas le numéro 13, ça va encore donner plus de malchance. Donc, non, je crois pas dans les superstitions, j'ai juste envie de faire une belle saison et voilà quoi. Un petit mot pour nos téléspectateurs, pour les supporters? Ben écoute, j'étais vraiment surpris qu'une club de Détroit reçoive autant de spectateurs, qu'il y a de l'ambiance comme ça et ça donne toujours l'envie de jouer, de donner le maximum de soi-même. Donc, ouais, un très très grand merci aux supporters parce que ça nous donne le coup de boost, comme on dit en anglais, pour donner un peu plus chaque match. C'est comme le deuxième homme.